podcast masculin francophone de l'année revient à Marty. Pascal, ça va? Les avocats t'ont pas appelé? Non, pourquoi, y'a quoi? Marcus se fait attaquer en justice pour injures et incitation à la violence envers les femmes. Et c'est pas toi qui disais qu'un peu de provoque, c'est bon pour l'avant? Arrête ça, c'était bien avant. Il faut quand même un virage artistique clair. Ouais, mais dans quelle direction ton virage? Direction Noël. C'est magique de ouf, moi je sais pas, ça me donne envie de faire trop de trucs. Bah, moi je trouve que c'est une fête extrêmement hypocrite qui fait mal à la tête. Non, mais je peux pas me la bousculer. S'il vous plaît, je te montre un temps. Là, je suis là. Excusez-moi. Salut. On m'a dit d'attendre ici. J'attends les flics de toute façon. Ben moi j'attends mon Uber. Marcus, il y a le taxi, vas-y viens, on y va. Je peux te faire sortir d'ici moi si tu veux. Je peux me débrouiller seule. Et puis je connais bien le personnage. Hein. Je connais tes chansons, tes clips. D'ailleurs on a écrit un article sur toi. Enfin bref. Joyeux Noël. Je me suis trompé de sac. J'ai envoyé un conseil pour échanger les cadeaux. Non, je m'en occupe. Ça me fera sortir un peu, mais... Vous fiquez ce charmant jeune homme? Bonjour, madame. Marcus. C'est notre invité. Hein. Il passe Noël avec nous. Non. Tu le connais pas? Et il est complètement miso. Wow. C'est du féminisme washing. C'est pour se racheter une image d'innocent. Bah, il a voulu jouer. On va jouer. Joyeux Noël! Pourquoi t'es là en fait? Non seulement on se connaît pas, mais on nous ressentit pas de l'un de l'autre. T'es sûr qu'on a rien à faire ensemble? Mais je rêve où tu veux me pécho? Jamais t'as vu! Marcus veut me pécho! C'est quand la dernière fois que tu t'es senti libre? En tout cas, là, je me sens bien. Je me sens bien. Je sais pas ce que je fais avec toi, mais...